Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de cours de mapping. Aujourd'hui, on va voir un truc qui est très chiant à trouver, que je me suis fait chier très longtemps et qui pourtant est super méga simple. Le point de réinitialisation de vos véhicules quand vous les réinitialisez. Au lieu de vous foutre un truc à chat les pépettes, je vais vous montrer où c'est. Donc, quand vous arrivez sur cet écran-là, bon, maintenant vous connaissez les différents trucs, vous faites Windows Scene Graph. Donc, ça, c'est l'arborescence de votre carte version papier. Donc, c'est ça, version détaillée. En fait, il vous faut, sur chaque carte, vous avez ça, loi de place. Le loi de place, c'est le truc de départ, bah, de réinitialisation, on va dire. Le truc de départ où vous démarrez votre carte, quand vous arrivez sur la map, le point de départ c'est le carrier start point. Donc lui vous le mettez où vous voulez. Donc en l'occurrence on va le mettre là. Et je vais lui dire que le load map, donc le point où je remets mes voitures quand je clique sur réinitialiser, je le veux là aussi. Donc vous faites comme ça. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, et qui ne savent pas comment ça marche. Donc ça, c'est tous les objets apparaissent sous cette forme-là. Au milieu, vous avez l'objet. Bon, là, il n'y a rien parce que c'est un point. Le truc bleu, ça fait pivoter comme ça. Le truc vert, ça fait pivoter comme ça. Flèche bleue, ça déplace. Flèche rouge, ça déplace. Flèche verte, vers le haut, ça fait monter ou descendre. Bon, si elle est vers le bas, c'est pareil. De toute façon, on s'en fout. Bon, en l'occurrence, là, on s'en fout. Si vous voulez le placer rapidement sans vous faire chier avec les flèches, CTRL B, ça la virait, vous cliquez où vous voulez sur la carte, ça la ramène. Rien de compliqué. Donc par exemple le point de départ, je clique dessus là-bas en fait, il est là, on s'en fout. Vous faites CTRL B et je dis je le veux là. CTRL B, CTRL B. Voilà, ça le met. Donc voilà, ça c'est pour le point de réinitialisation du véhicule. Vous avez juste à bouger le load place dans votre fichier, dans votre scène graph, vous cherchez le terme load place et vous l'avez. Load place 1, c'est le point de départ, je ne vous ai pas dit. Et load place 1, c'est le point d'arrivée. Si vous ne les mettez pas ensemble, comme là, vous voyez, il y a droite-gauche, hop, hop, il y en a un d'un côté, un de l'autre. En fait, les véhicules vont tous regarder comme ça. Si vous le 1, vous le mettez ailleurs, et ben en fait ils vont regarder, il va partir du départ, du place 1, et il va aller vers le 1. Donc ça vous permet d'orienter les véhicules selon que vous voulez qu'elles soient sur la carte. Voilà, bon ben c'est pas compliqué, hein, ça c'est tout simple, mais il faut le savoir, c'est loi de place pour le point de réinitialisation du véhicule, carrière start point, le point de départ de la map quand vous arrivez dessus. Allez, à bientôt.